Salut les amis, c'est Kalior, bienvenue à ce qui me découvre avec cette vidéo et merci aux autres pour votre fidélité. Vous trouverez sur ma chaîne l'actualité de Zelda Scroll Online ainsi que divers guides et builds DPS mais vous pouvez aussi me retrouver régulièrement sur Twitch. Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Scroll Online pour parler ensemble du retour du carnage dominant donc cet événement PVP. Alors au moment où sortira cette vidéo, le carnage aura déjà commencé car l'événement du carnage 2000 ans commence le jeudi 24 juin à 16h heure française et se terminera le mardi 6 juillet à 16h heure française. Donc je rappelle que c'est du 24 juin au 6 juillet. Au cours de cet événement PVP, vous pourrez remporter le double de points d'alliance et d'expérience, ainsi que des objets de collection unique en affrontant d'autres joueurs dans la guerre d'alliance, la cité impériale. Ou les champs de bataille, alors juste au cas où ce qu'ils appellent la guerre d'alliance, je rappelle que c'est en sirodi. Alors pour participer, comment il faut faire Vous devez vous rendre dans la boutique à couronne en jeu pour acquérir et activer le ticket détail sur le carnage de Milan. Je rappelle que c'est totalement gratuit pour ceux qui se poseraient la question. Rendez-vous du coup après avoir activé, je rappelle, le ticket détail sur le carnage de Milan à la porte principale de votre faction de guerre d'alliance. Donc en fait, c'est dans les bases du coup de votre faction en Syrodil avec le menu de guerre d'alliance, je vous rappelle que vous pouvez l'activer en appuyant sur la touche L sur PC ou dans les champs de bataille devant les grandes villes principales. Il n'est plus nécessaire de vous rendre en cité en pardon, pour déclencher cet événement. Vous devrez ensuite trouver le PNJ appelé Prédicatrice Maera et accepter la quête Carnage 2000 ans. Si vous avez déjà accompli cette quête l'année dernière ou une année Précédente, il n'est pas nécessaire de la recommencer. Accomplissez la quête pour recevoir votre parchemin de férocité de Pellinal et une boîte de butin 2000 ans de, de Pellinal. Utilisez le parchemin pour bénéficier d'un bonus de 2 heures dans la guerre d'alliance, la cité impériale et les champs de bataille qui doublent vos points d'alliance ainsi que vos gains d'expérience en tuant d'autres joueurs PVP. Je rappelle juste au cas où que c'est uniquement là-dessus qu'agit le bonus. PVP, en fait, de points d'alliance et d'expérience. N'imaginez pas que le double d'expérience, de c'est partout. Non, non, non. C'est uniquement en tuant des joueurs, c'est-à-dire, c'est en Cyrodiil, Cité impériale et champ de bataille. Et il faut penser, lorsque vous faites du coup du PVP, à réactiver toutes les deux heures ce bonus grâce au parchemin que vous avez euh, obtenu. Je tiens à le rappeler, le parchemin de férocité. Voilà. De férocité de Pellinal. Donc ensuite, euh, vous pourrez utiliser le parchemin de férocité de Pélinal tout au long de l'événement parce qu'il n'y a pas de cooldown dessus. Mais si vous le perdez, vous pourrez toujours en obtenir un autre auprès de la prédicatrice Maera ou en utilisant la vasque de vertueux sanglant à la place. Alors du coup, on va avoir différents butins, différentes nouvelles choses et des choses qui vont revenir et on va voir cela ensemble. Alors on va commencer par... Les nouvelles pages de style de tenue de bâton et de bouclier qui vont porter les bannières de votre alliance. Portez bien haut les couleurs de votre alliance avec de nouvelles pages de style de bâton et de bouclier échangeables que l'on obtient en rassemblant 10 emblèmes de bannières d'alliance dans les caisses de butin de carnage de Milan pour les combiner avec les licences associées, une pour le bouclier et une pour le bâton. Achetez auprès de la prédicatrice Maera contre des points d'alliance. Remarquez que la version de la page que vous recevez dépend de l'alliance du personnage qui combine les emblèmes et la licence. Alors, on va retrouver ceci. Alors, vous allez voir ici que les PNJ ont également des autres des armes. Hein, comme là, vous pouvez voir une hache, mais vous ne le prenez pas en compte. C'est uniquement les boucliers, normalement. Et les bâtons. Donc les bâtons, vous pouvez voir, ça fait un peu comme une bannière. Donc là, on peut voir pour le dacfilante le domaine Almiry, le pacte Rében. Et là, on voit directement les boucliers. Donc là, on voit pareil d'acfilante et le domaine Almiry. Bien évidemment, vous en avez un aussi hein, pour le pacte Kureben. Et donc, vous pouvez avoir un bouclier et un bâton à l'effigie de votre faction mais comme c'est indiqué au-dessus il faut bien faire attention quand vous allez l'activer avec le personnage sur lequel vous allez l'activer parce que si vous avez des personnages comme moi par exemple j'ai des personnages bleus rouges et jaunes j'ai des personnages de toutes les factions suivant ce que je veux il faut bien faire attention à l'activer sur le personnage de la faction que vous souhaitez. D'accord C'est-à-dire si vous l'activez sur un personnage du domaine Almiri, vous allez avoir les styles du domaine Almiri. Pareil pour le Kureben et, et pareil pour l'alliance de Daculand. Donc il faut bien faire attention à cela. Et je rappelle que vous devez rassembler 10 emblèmes de bannières d'alliance qu'on peut récupérer dans les caisses à butin du cœur d'âge ans Et vous devrez la combiner avec une licence associée. Voilà. Donc il faut bien faire attention à cela. Ensuite, vous allez avoir des partages de style d'armure ébonite, devenez un authentique chevalier de Tamriel avec ces pages pardon, de style de tenue échangeable que l'on trouve sur les bosses de la cité impériale, que ce soit dans la ville elle-même ou dans les égouts. Donc je rappelle, vous allez pouvoir récupérer le style d'armure ébonique, mais uniquement dans la cité impériale. Cas, il faudra bien faire attention à ça. Alors couronne de laurier du vainqueur de. Euh, du carnage de Milan, donc du vainqueur de Milan. C'est une petite couronne de laurier, hein, un peu à la César, donc euh, dorée. Et donc euh, comment faire pour l'obtenir Pour obtenir la couronne de laurier du vainqueur de Milan en accomplissant les succès suivants, connaisseur du carnage, c'est-à-dire vous devez recevoir la bénédiction du blanc serpent à l'une des portes d'alliance du carnage pendant le carnage de Milan. Écho de la fureur de Pelinal, lisez un parchemin de férocité de Pelinal pendant le carnage de Milan. Ça pour l'instant, ça va. Main du Blanc Serpent, obtenez votre 25 e bois de butin de Milan de Pelinal. Donc là, il ben, faudra en récupérer pas mal des caisses. Rage du Blanc Serpent, vainquez 50 adversaires pendant le carnage de Milan. Donc c'est pendant tout le carnage. Et sur un seul personnage, hein, je rappelle, il faut faire tout ça. Pelinal de Fléau, gagnez un champ de bataille pendant le carnage de Milan. Pelinal le Sanglant, Capturer un fort en sirodile pendant le carnage de Milan. Et bellineritrif euh, insurgent capturer un quartier impérial pendant le carnage de Milan donc en fait pour avoir du coup cette couronne qui est très stylée d'ailleurs je tiens à le dire vous devez faire les différents événements ou plutôt vous devez faire différentes activités en PVP c'est-à-dire vous avez remarqué vous devez faire du champ de bataille de la cité impériale mais également du cyrodil vous devez ensuite faire des boîtes à butin comment récupérer ces boîtes à butin en affrontant les autres personnages en joueur en cyrodil dans les champs de bataille ou dans la cité impériale, vous gagnerez aussi des boîtes à butin de carnage à Milan de Pélinal. Vous les recevrez en plus de vos récompenses, les justes habituelles et en récompense des quêtes journalières PVP des personnages suivants. Donc vous pourrez en récupérer en tuant des joueurs, mais vous en récupérez en faisant des quêtes journalières PVP. Pour les quêtes de champ de bataille du maître de bataille Rivine, les missions de reconnaissance de combat, de front et de conquête, capturer et récapturer des parchemins des anciens, quête de ville de Vlastrus, Bruma, Guédé champs chez et Corol, quête journalière de la cité impériale. Lorsque vous ouvrez une de ces boîtes, vous aurez une chance d'y trouver des objets suivants. Alors, on va avoir différentes récompenses, mais je tiens quand même à rappeler qu'en fait, ça va être toutes les quêtes journalières que vous pouvez trouver. Syrodil que ce soit directement dans votre base ou dans les villes de Syrodil comme on a vu Brumag et des champs, Corolla, etc. Mais et ça fonctionne également pour lesquels quêtes des champs de bataille et de la cité impériale. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver La première chose, vous allez avoir une nouvelle récompense, l'emblème de bannière d'alliance assurée dans votre première boîte chaque jour. C'est-à-dire que là, chaque jour où vous faites une quête, vous êtes obligé d'avoir une bannière d'alliance. Je rappelle les bannières d'alliance, c'est pour avoir les pages de style d'alliance qu'on a vu précédemment. Vous pourrez récupérer également des cristaux de transmutation, des réactifs alchimiques, des consommables PVP comme les nécessaires de réparation, des camps avancés et des armes de siège. Des pages de style pour les styles d'alliance et akavirois, des objets de style pour votre alliance, des objets de style akavirois, des armes de siège d'avre glace, des pierres uniques prismatiques, c'est très intéressant d'ailleurs. Des livres de plans d'objets domestiques de Pélinal. Des fragments d'une boîte runique contenant le familier Terrier Breton d'Alliance. Oui parce qu'on peut également récupérer des récompenses précédentes comme le Terrier Breton. C'est un petit chien avec, vous aviez autour comme un, un, un petit costume qui était aux couleurs de votre Alliance. C'était plutôt mignon. Enfin, tout au long de cet événement, vous pourrez récolter des gisements, des ressources naturelles en sirodil et dans la Cité Impériale. Vous rapporteront le double d'objets et le marchand de sirodil Abdazi Abor, euh, Abadaro, qu'on appelle plus communément la dorée, proposera des bijoux de guerre d'alliance de qualité légendaire, collier le, le premier week-end et bague le deuxième. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Première chose, par rapport à la dorée. Vous allez avoir le premier week-end les colliers légendaires, mais c'est tout ce que vous pouvez retrouver normalement en Syrodine. Donc, tout ce qui est lié à la guerre d'Alliance, vous allez avoir tous les colliers le premier week-end et le deuxième, vous aurez tous les anneaux. Donc, il y en aura vraiment beaucoup. Et je rappelle que, comme vous allez gagner en PvP le double de points d'Alliance, c'est vraiment très intéressant. S'il vous manque certaines choses, vous pouvez les récupérer. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Vous pourrez également récupérer le double de récompense dans les gisements, que ce soit en sirodile ou en citadel, mais on ne fait pas trop du farming de gisements en sirodile, à moins qu'il y en ait qui le fassent parmi vous. D'ailleurs, s'il y en a qui le font, qui récupèrent des gisements, je veux dire, qu'ils font vraiment du farming en sirodile pour ça, je suis assez curieux, mais je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, on va avoir, et c'est ça qui m'intéresse le plus personnellement, le retour des tickets d'événements. Donc pendant le carnage 2000 ans, vous pourrez gagner jusqu'à 3 tickets d'événements par jour en accomplissant 2 activités. PVP différentes. Donc c'est trois tickets, mais il faut faire deux activités différentes. Deux tickets pour toutes les quêtes journalières de sirodile ou de champ de bataille. Un ticket pour n'importe quelle quête journalière de la cité impériale. C'est-à-dire que vous allez récupérer deux tickets, c'est sirodile et ou champ de bataille. Donc si vous faites par exemple une quête sirodile, vous allez récupérer un ticket. Une quête, enfin c'est deux tickets si vous faites sirodile ou deux tickets si vous faites champ de bataille. C'est l'un ou c'est l'autre. Et le Troisième ticket journaliste, c'est forcément à la cité impériale. Donc ça vous oblige, entre guillemets, à multiplier vos actions PVP ou vos activités PVP. Donc si je rappelle, c'est deux tickets pour Syrodil ou champ de bataille et un ticket en cité impériale. Du coup, ça fait trois tickets par jour. Donc le chronomètre du ticket d'événement se réinitialise à 8 h donc le matin, heure française. Tous les jours, notez que si vous gagnez des tickets d'événements au-delà de la, la mise limite des 12 tickets, ils seront perdus. Voici tout ce que l'imprésario aura en stock pendant le carnage de 1000 ans. Donc vous allez retrouver les fragments de base du morpholite instable. Donc je rappelle, c'est pour faire le mini familier qui vous permettra de le faire évoluer, comme on avait déjà pu faire pour la peau et comme on pourra bientôt, du coup, le refaire pour la personnalité. Donc, les fragments de morpholite instable, donc le fragment de base, on va retrouver le silex des terres mortes, la pierre unique à étincelles et l'amadou fumant de herbes sang. Les trois fragments de personnalité de full flamme de ter des terres mortes pour faire évoluer votre morpholite instable, dont le flacon de brasin d'Hydric frémissant, le flacon de brassin d'Hydric bouillonnant et le flacon de brassin d'Hydric brûlant. On va également retrouver les pages de style de tenue de bouclier et de bâton d'alliance non échangeables. Si vous, vous achetez avec des tickets, c'est non échangeable. Des pages de style de tenue du chevalier débène non échangeable également. Le terrier breton familier, la fourrure tout. De Milan contient un objet de collection que vous ne possédez pas, tiré d'un événement précédent du carnage de Milan. En fait, le fourre-tout de Milan, c'est en fait quand vous l'achetez le fourre-tout de Milan, ça vous donne une récompense que vous n'avez pas. C'est forcément quelque chose que vous n'avez pas d'un événement de carnage. De ans précédents. Donc, c'est intéressant si vous êtes un nouveau joueur ou que vous n'avez pas forcément des années de jeu derrière vous, ça peut être intéressant pour récupérer des choses précédentes. Et vous avez également des nécessaires de réparation de groupe. Alors, une fois que vous aurez les trois fragments d'amélioration pour la personnalité full flamme détermante, et il vous faudra bien évidemment un aussi, vous pourrez invoquer ces nouveaux objets de collection depuis votre interface de collection. Et du coup, ça vous permettra du coup d'avoir cette nouvelle. Personnalité, donc pour ceux qui se posaient la question, oui, on va pouvoir terminer la personnalité, la nouvelle personnalité avec le carnage de Milan. Et ça, c'est très intéressant parce qu'une personnalité où on a une espèce de boule de feu dans la main, des yeux enflammés et tout, c'est quand même assez stylé, il faut quand même se le dire. Et puis une personnalité en plus, c'est stylé, surtout que si vous aviez la peau précédemment, donc la peau, je rappelle, détermante, je pense que les deux vont très bien se mixer et ça pourrait être vraiment très, très, très stylé. Donc du coup je rappelle que le carnage de Milan revient et c'est du 24 juin au 6 juillet à 16h, heure française. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous comptez participer à cet événement, si des récompenses vous intéressent, comme par exemple la nouvelle personnalité, ou peut-être que vous allez adorer du coup les pages de style de bâton et de bouclier. Pour euh, montrer au grand jour votre adoration pour votre alliance, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour aider au référencement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper l'actualité, des scroll online, des builds, des guides et toute autre chose qui pourrait être liée à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou même un pouce rouge hein, si elle vous a déplu, ça peut arriver, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut les amis